Salut tout le monde, c'est MaxiMathieu, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de Assassin's Creed Unity donc. Et donc la dernière fois on s'était arrêté ici. On va prendre le métro. Ah. Ben... D'accord. Par là, je parie. Et une grosse échelle, alors. Bah, ok. Attendez, je vérifie si. Non, c'est bon. Là-bas. Se cache qu'un pareil. Se cache rien. Non. De toute façon, je fais ça et puis je vois tout en fait. Donc, non, c'est bon. Y'a rien. On peut continuer. Alors. On va devoir passer par là, j'imagine. Ouais. Allez, like a boss, moi j'ai envie de dire. S'il te plaît, voilà. Ok. Donc il faut sortir du réseau de métro. Waouh, ça m'a fait flipper. Oh, il y a des lasers. Qu'il faut pas passer dedans. Bah aussi, il y en a. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui s'y cache ou qui nous laisse aller jusqu'ici? Non, d'accord. On va direct aller là-bas. Alors j'ai une manette de Xbox pour PC, mais je pense que pour jouer Assassin's Creed, c'est quand même mieux de jouer avec clavier souris. On est plus libre comme ça, c'est un peu mieux, je crois. Ok. On va monter par ici. Ouais. Alors que le train passe en dessous. Et on saute dessus. Enfin, c'est ça qu'il faudra faire, donc... Je sais pas. Non, bah non. Y a les lasers. Hop. Ok, c'est par là. Ouais. Choup. Génial. On s'en sort plutôt pas mal, de toute façon c'est facile. Hop là. On fait des glissades. Ok, wow. C'est à foutu. Ah. Vite, 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 vite. Ah, c'est bon, non? Oh, ok, le mec il défonçait tout quoi. Il sait pas conduire. En plus, il s'est arrêté, mais il m'aurait tué quoi. Par là, il n'y a plus rien. Pourquoi on peut y aller là? Bizarre. C'est pas grave, ok. On va par là. Et il y a la sortie. Okay. Ah, c'était quand il créait la statue de la liberté à Paris. Fuir par le portail. J'ai pas vu où il était le portail. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Je parie que c'est par là, de toute façon. Aïe. Je sais pas ce qui m'a fait mal, mais ça m'a fait mal. Je crois qu'il faut se cacher quand il y a des rafales comme ça. Ouais. Ah, il est en haut le portail, ok. On dirait que tu vas devoir escalader la statue de la liberté. Elle doit provenir d'une autre période. Les Français devraient déjà l'avoir envoyé au travail. Ah, ok. Ils devraient déjà l'avoir envoyé, donc... D'accord. Par là, comme ça, non, par là-bas. Ouais, ouais. C'est chiant parce qu'il sprint tout seul en fait, et j'ai peur qu'il tombe tout seul après. Allez.
Oula. Je vais faire ce que je peux pour l'empêcher de se refermer. On se retrouve de l'autre côté. Ouais, sûr. Vite, la corde. Ouais. Et voilà. Génial. Statue de la liberté en plus. Du coup, elle est pas oxydée comme on la connaît aujourd'hui. Elle était vraiment en bronze comme ça. Non, en cuivre. Qu'est-ce que je dis en bronze? Voilà. Génial. En plus, on révise de la physique. Enfin, ouais. Ouais, de la physique. Ou la chimie. Enfin, physique chimie. C'est comme vous voulez. Ok, donc on est revenu. Bonjour. Ah, il veut parler. On est de retour. Ouais. Tout le monde n'a pas ta chance pour leur premier passage entre serveurs. Parfois, nos initiés restent coincés dans le système, et on est obligé d'envoyer quelqu'un comme toi pour les sauver. D'ailleurs, l'un de nos initiés vient de se faire piéger dans un serveur de la Belle Époque. S'il te reste des forces, tu peux retourner là-bas pour le ramener. Très bien, c'est reparti, initié. D'accord. Gagner de l'argent. Pour savoir de l'argent, explorer les récits parisiens, vols et failles. Les armes et les équipements de grande qualité coûtent plus cher. Normal. Carte et filtre d'affichage. Appuyez sur tab. Là. Réduire le nombre d'icônes. Appuyez sur clic ou F pour sélectionner le mode d'affichage. Ok. Par contre, voilà. Et je vais aller faire. Vite. Je vais aller aller au point d'observation en haut là. Et il me voit toujours d'en bas. Ouais. Non, c'est bon. Voilà, on monte tranquille. C'est le dernier bâton qu'on voit tout en haut là. Allez. Voilà. Il ne veut pas. Voilà, ils savent même plus que je suis en train de monter la cathédrale. Non, c'est pas par là. Par où? On peut pas monter par là. Non. Puis il a failli tomber. Ouais, fais gaffe. Je suis ça, mais. Ah. Voilà. Je vais aller le trouver ce petit truc. Moi je vous coupe pas de toute façon ce que je fais, comme ça, ça fait passer le temps. Hop. Wow, c'est pas une pop board. Chaque fois il me fait peur. Voilà, c'est bien. Là, je vais sur le poteau. Et je fais synchroniser. Avec la petite cinématique de synchronisation. Et là, yeah, on saute. C'est toujours classe ça. Hein, c'est... Il vise très bien en plus. Je crois que ça fait des points de téléportation rapide. C'est de l'autre côté. Regardez sur la map, avant il y avait l'aigle et quand j'ai débloqué, maintenant il y a le signe avance rapide. Enfin, téléportation rapide quoi. Est-ce que c'est loin? On est là. Je vois pas où c'est. Ah, c'est là. D'accord. Ouais, non, c'est bon, c'est pas très loin. Quoi, voleur? Ah. Ah oui, non, c'est quelqu'un qui a volé quelqu'un. Oui, c'est très bizarre. Un voleur qui a volé un civil, voilà, c'est bon. Ah, maintenant les gardes, quand je passe à côté d'eux, ils s'en foutent. J'en dirais. Ok, 100 mètres à parcourir. Je crois qu'il faut retourner à la confrérie en fait. On va nager un peu, si vous voulez bien. Voilà, on nage pas assez dans ces jeux. Surtout quand c'est un jeu urbain comme à Paris. On va moins nager que dans le 4, hein, j'imagine. Ça c'est un truc coop, mais je vais pas le faire. Non, c'est mon frère. Vu que je fais pas la coop avec quelqu'un, voilà.
Dans la coop, je crois que c'est pas la campagne, donc c'est que des missions en plus, et c'est genre un petit multijoueur. Je sais pas qui faut aller voir. Lui, Salut c'est. Arnaud. Ok, c'est pas grave. On va monter les escaliers. Ah, j'ai. Oui, je sais pas si je vous avais montré, mais j'ai une nouvelle épée. Je l'avais peut-être dans le. Dans le précédent épisode, je sais plus. Rendre assassin. Se connecter. Ok. Ah, voilà. Aujourd'hui, les paroissiens ont trouvé un corps à Notre-Dame. Les plaisantins l'appellent déjà le pénitent. J'en conclus que justice a été rendue. Pas encore. Siver avait un complice la nuit où Monsieur de la Serre a été assassiné. C'est lui qui a porté le coup fatal. Cela soulève des questions troublantes. Qu'as-tu appris? Il a agi avec un homme appelé le roi des thunes. Le roi des mendiants? En es-tu sûr? Vous le connaissez? De nom. Les mendiants lui versent tribut. Mais cet homme est un fantôme. Nous avons envoyé trois assassins à ses trousses. Les deux premiers n'ont rien trouvé. Le troisième n'est jamais revenu. Je peux le trouver. Siver a parlé à l'un de ses lieutenants. Je dois à la mémoire de Monsieur de la Serre de découvrir la vérité. Peut-être en es-tu capable. Tu as fait tes preuves en tant qu'assassin aujourd'hui. Et un assassin doit être muni des bons outils. Donc, si je comprends bien, la lame secrète et les bombes fumigènes, c'était juste un avant-goût, c'est ça? La lame fantôme. Une modeste amélioration de la lame traditionnelle des assassins. Là où tu dois aller, tu devras rester à distance de tes ennemis. Très bien. Assassin, ce conseil t'ordonne de te rendre à la cour des miracles. Trouve le Templier qu'on nomme le roi des thunes. Découvre ses secrets. Et apporte-lui la paix. D'accord, on va aller le trouver, ce fumier. Et on a une sorte de grappin, je crois. La lame fantôme. Pour sélectionner la lame fantôme, est-ce que vous êtes équipé pour faire un tir rapide, maintenir. Les lames furies amènent les ennemis à s'attaquer mutuellement. Vous pouvez acheter les lames secrètes. Enfin, les nouvelles lames, ok. Ouais, non, c'est juste une lame en plus, ouais, ok. Alors on va ressortir. Et du coup il y a Assassin's Creed Rogue qui est sorti sur PC. Je vais pas le faire sur YouTube parce que ça serait beaucoup trop long, deux Assassin's Creed en même temps déjà, tu vois. Voilà. Mais je vais peut-être le prendre pour moi, enfin je vais peut-être le faire parce que je l'ai pas sur console. J'ai une mission pour soi dans la mission. C'est Gatko qui est dehors en fait qui me dit ça. Bon, souvent les sauvegardes et les chargements, je les coupe pendant mon enregistrement, comme ça je peux plus facilement. Enfin, ça va plus vite, je veux dire, ils sont un peu longs, c'est pour ça. Bonjour. Par contre là, ça va être long. Ça va... Oui, c'est très long. Donc, je fais une ellipse, le temps que j'aille là-bas, je vais faire découvrir quelques points d'observation et voilà. Donc à tout à l'heure. Voilà, je reprends la vidéo où je suis arrivé, je vais vous montrer quelques trucs. Voilà, ici j'avais aucune tour et j'en ai fait 4 je crois. Donc ça a pas mal libéré le truc. Et voilà, le royaume des mendiants, joué. J'ai acheté la compétence aussi pour prendre l'apparence d'un garde ou de n'importe quelle personne, c'est pratique. Explorer la cour des miracles. D'accord. On va beaucoup utiliser ce truc alors. Il y a des choses qui sont apparues. C'est quoi ça? C'est des rideaux. J'ai vécu dans les colonies il y a quelques années. Ça, c'était vraiment. Normalement, je peux passer, hein. C'est. Ah non. Pourquoi j'ai pas le droit d'être là? J'ai pas le droit d'être là, d'accord. Ok, salut. Passer par là-bas. Oh! Premier glitch, ok, le mec il était bizarre. C'était étrange, hein, les mecs qui se sautaient dessus. Je vais pas dire ce qu'ils voulaient faire, mais c'est pas grave. C'est quoi que je dois trouver?
parce que voilà quoi. Ah, il y a quelqu'un qui... Là. Ah merde, ils sont en dessous. Ok, le mec il va se faire couper le pied, mais j'arrive trop tard. Le voilà. Le lieutenant du roi des thunes. La touche. Sur la droite, pareil. Merde. Oh, je ne m'y risquerai pas. Regarde. Oh, splendide, non? Le bon peuple de Paris donne plus d'argent aux mendiants estropiés qu'à ceux encore intacts. Le roi des thunes trouve dans cette opportunité le moyen nécessaire à stimuler ses employés les moins prospères. Cet homme a déjà perdu son pied. Certes, tu peux charger dans le tas et causer un joli tumulte qui renverra tous ces rats dans leur trou. Ou tu peux te mêler à la meute et suivre les rats doucement jusqu'à leur souverain. Quoi que tu fasses, cet homme ne reverra pas son pied. C'est fait. Escortez-le à l'infirmerie pour cautériser la plaie, puis renvoyez-le dans la rue. Allez, toi, debout. Merci, j'apprécie le conseil. Pas encore. Qui êtes-vous, au juste? Et pourquoi m'aidez-vous? Cela fait quelque temps que je t'ai à l'œil. Je considère qu'il est de mon devoir d'aider ceux qui ont connu, tout comme moi, l'emprise cruelle de la Bastille. Et j'ai un intérêt bien personnel à voir le roi des rats, enfin, pris au piège. Quant à mon nom, j'ai le grand privilège d'être Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Viens me rendre visite quand tu te seras lassé de chasser la vermine. Oh, quelle belle trace il laisse. Bonne chance. Ok. Si tu veux. Les nuits se font plus froides. Ah bah je suis la traînée. Wow. Quelle cheminée, celle que Sagrasse a installée quand il a pris. Je suis la traînée de sang. Pas, les gars. Sagrasse n'apprécie pas les lambins. Merde. Ok, salut. Je savais pas qu'il fallait pas se faire voir. Donc on va rester derrière à observer. Des nuits sont froides. Oh, ça t'inquiète pas. Je sais. Ouais, il y avait qui file. Meurtre à la lame fantôme. Lame fantôme. Voilà. Ok. Vous pourrez m'inquiéter ? Monsieur Latouche, toujours en train de prodiguer ses soins aux affligés ? Ok, prendre que 5 munitions. Hein. Plutôt que tu ne l'imagines, sois-en sûr. Oh, je m'en fous de se voler. Oups. Moi j'ai tiré ? T'es pas sérieux ? Ah. Allez, tue-le. Vite. 3 secondes, merde. Non. Attendez. C'est pas terminé. Il est là. Heureusement qu'il nous laisse un peu. Je te connais. Le mec il se voit en face et il se dit what the fuck. Bon, il faut un temps de recharge par contre. Vous le voyez en haut à gauche à côté du logo Assassin's Creed bleu. Il remonte. Bon, j'aurais peut-être pas dû l'utiliser, mais voilà. Oui, c'est vrai. Tout ça parce qu'il s'était trompé dans les comptes. C'est vrai? Je pensais qu'il avait volé dans les caisses.
Non, il a oublié un dans le registre. Je vois. Mieux vaut ne pas traîner alors. Un centime. Ah, ok. Quoi ? Merde, il me voit là en fait. Ok, il y a tout ça comme garde, merde. Chier, il y en a beaucoup trop. Aïe, putain, j'ai même pas vu qu'il m'attaquait. Allez, mais tape. Allez, voilà, coup de race. Je t'ai bien tué, maintenant. Merde, le mec qui s'est barré, quoi. Chier, mais il y a des mecs de partout, là, c'est pas bon. Je vais peut-être les tuer. Hop là, voilà. C'est comme ça qu'on fait. On a les mecs qui se barrent, ah, voilà. Faites-le entrer, vite! Je sens que quelque chose ne va pas. Il est mort, monsieur. Alors jetez-le dans le caniveau et suivez-moi à l'intérieur. S'ils n'avaient pas coupé sa jambe, il serait pas mort. Il aurait pu payer encore. C'est encore. Qu'est-ce que tu veux, hein? Tu veux m'arrêter? Ben voilà, moi aussi je t'arrête. D'une autre façon, par contre. Voilà. Il veut me faire chier, ben il m'aura pas. Quand lui il va courir et il va venir par là. Je le connais. Vas-y, hein, je peux te tuer. Merde, il s'est mis devant les autres du coup. Ah, mais oui. Lui, il est mort. Allez. Allez, vas-y, on peut se le faire. Et toi, vas-y. Allez, hop. Et voilà, t'es fini. Et maintenant, j'ai... Bon, je vais fouiller au moins lui. Pour avoir un petit peu... Voilà, charbon. On a charbon. C'est génial. On va faire ça. Ok, il y a des gardes là-bas. Lui, on va le tuer dès qu'il passe. Bonjour. Je crois que t'es mort. Bon, là, il y a trop de gardes. Salut. Quelle est la consigne pour le malheureux du fils ? Brûlé dans un incendie qui a tué sa famille et lui a fait perdre la tête. Un incendie ? Tu sais à quel point je peine à les imiter sans faire brûler la moitié du quartier ? Utilise un peu d'huile de vitriol. Est-ce que c'est là ou c'est de l'autre côté ? Voilà, oh là. Je vais tenter de venir par là. Ce mec il dort. Je vais mourir. Bah, yeah. Ok. Bon bah en fait je vais aller tuer tout le monde, hein, vous savez quoi. Ils sont tous là. Dommage qu'on peut plus les attirer, vous savez, en sifflant. Avant on pouvait faire ça. Allez, vas-y. Ça fait facilement. Tu veux jouer avec moi? Bah tu vas mourir. Allez. Oh merde, 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 merde. Voilà, dans le dos, c'est bien. Oh. Voilà. Les gros comme ça, ils ont des grosses armes et du coup, c'est un peu galère à les esquiver. Faut appuyer sur une autre touche et tout à la place. Ah, il est à l'étage, ce fourbe. Très bien. Coucou. Attends, le mec, il me voit pas en fait. Merde. Il se passe quelque chose. Oui, non, il se passe rien, regarde. Vite, 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 on va me tirer dessus. Ouf. Allez, toi, je te tue sauvagement, voilà. Aucune pitié pour les Templiers. Qui c'est qui crie ? C'est pas lui. Tu peux pas faire souffrir. Enfin, tu peux arrêter de faire souffrir. Ok, il y a une porte ici. Mais qui va me voir. Hein. Ouais, c'est bon.
Oh, ça va être le boss. Ah, même pas. Ah, ok. Bon bah mec. Les catacombes. Il est dans les catacombes sous la vieille église. La touche. Je m'attendais à ce que tu sois un peu plus coriace. Que penserait ton maître? Mon dieu, aidez-moi. Je suis sûr il avait dit un faux truc là. C'est pas bon. Je devais fuir le secteur. D'accord, bah je me casse. Je suis à l'infirmerie et il me dit d'utiliser des pétards, mais sauf que j'ai pas besoin d'utiliser des pétards. Salut, j'utilise une fumigène pour rien. Ah bah je te tue. Aïe. Bah meurs pas maintenant parce que voilà. J'ai plus de vie, c'est fini. Voilà, maintenant on va escalader les murs. Voilà, le mec il peut me viser. Allez vite. Mais bouge. Non mais je comprends toujours pas pourquoi il est lent comme ça. Allez monte. Putain, le mec il aurait pu me tirer 10 fois dessus, mais il l'a pas fait. Allez, descend. Et là. Pas besoin de pétard pour s'échapper. Bon bah c'est génial. Mission terminée. On est déjà à la séquence 4. Je dois même pas être à 10% du jeu. En 5 épisodes. C'est à 90 mètres. Et je sais pas pourquoi je rentre dans cette maison. Mais l'épisode va toucher à sa fin, donc j'espère qu'il vous a plu. Laissez un petit j'aime et un commentaire, ça me fera plaisir. Et donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.